Voici un court extrait de notre échange avec Bruno Rebeu. Le lien vers l'intégralité de l'épisode est juste en dessous. Et si vous voulez faire évoluer votre jeu grâce à la stat, on vous a enregistré 4 clés offertes en description. Est-ce que tu peux nous parler de ce fait assez légendaire avec l'illustre Jeff Tarango ? Oui, c'était un joueur extrêmement difficile, compliqué, etc. Que très peu d'arbitres pouvaient donc arbitrer. C'était à chaque fois des arbitres professionnels qui devaient donc l'arbitrer. Alors moi, j'avais eu avec lui des matchs compliqués comme il en avait avec d'autres, voilà. Et puis on se retrouve au quatrième tour de Wimbledon sur le court 13. Ouais. Il jouait contre Alexander Monz, un joueur allemand. Et donc moi j'avais arbitré plein de fois Jeff Tarango, donc j'avais pas d'appréhension particulière. Hein. Et donc on rentre sur le court et quand il me voit et il me dit je veux pas que tu m'arbitres. Alors ça a commencé. Alors j'ai pas voulu faire la guerre avec lui. J'ai tout de suite appelé le chef des superviseurs qui est venu le voir. Et il a dit non, mais je veux pas que ce soit Bruno qui m'arbitre. Et il y a dit non, écoute, ça va être Bruno qui va t'arbitrer. Voilà, ça a été fait comme ça. Moi, c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, je peux pas te changer d'arbitre maintenant. Et le match commence. Et c'était un match hyper important pour lui parce que c'est un match qu'il pouvait largement gagner. C'était au quatrième tour de Wimbledon où il n'avait jamais été aussi loin. Et comme il faisait donc à chaque fois, il a commencé à perdre sa concentration en voulant donc contester plein de trucs. Et à un moment donné, sur une balle hyper donc litigieuse, où j'avais dû donner la balle contre lui, il a commencé donc à râler et il en a eu marre, il a pris ses affaires, il s'est barré du court. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Je me suis dit, le mec qui s'en va du court, donc forcément il quitte le court, il est disqualifié. Et je suis donc reparti du court 13 à l'époque à Wimbledon. Et tout à fait au bout, donc le temps de traverser avec tout le monde dans les allées, etc. Et je vais donc au bureau donc des arbitres. Et sa femme, une Française, hein, Bénédicte, que je connaissais bien aussi, une Toulousaine, arrive donc derrière moi et sent que je la vois et me met deux claques, quoi. Je suis resté sur le cul un peu. Et puis bon, bien évidemment, j'ai pas du tout donc réagi et je suis donc rentré. Je suis rentré donc au bureau du juge arbitre, et c'était la grande panique parce que quelqu'un qui part du court à Wimbledon, ça n'avait jamais dû arriver. C'était un quatrième tour, un dimanche certainement, plein de monde, un samedi. Enfin bref, et là je commence à dire ce qui se passe, à raconter mes trucs, et lui rentre en conférence de presse et commence à se lâcher, quoi. En disant, ben oui, Bruno, ses copains, etc. Enfin, et les bras m'en tombent, quoi. Je suis désespéré, quoi. Les bras m'en tombent. Et bien évidemment, toute la presse anglaise attend dehors à ce que je sorte, etc. Et je suis un peu sorti par une porte dérobée et je suis rentré à mon hôtel, donc en m'enfermant dans ma chambre, quoi. Et là, c'est le déferlement, quoi. La presse, les trucs, les articles. Moi, c'est comme une chape de plomb qui me tombe sur la tête, quoi. Je me suis battu toute ma vie, pendant 10 ans ou 15 ans, pour être un arbitre intègre, pour arbitrer les plus grands matchs. J'avais gagné la confiance de tout le monde. Et là, d'un coup, un mec commence à dire n'importe quoi et se lâche, quoi. Donc c'était un samedi, puisque le dimanche, je reste enfermé toute la journée dans ma chambre. Et le lundi, le président de Wimbledon, juste pour montrer un peu sa solidarité, me donne le match le plus important sur le court central le lundi. Ok, ouais, il te soutient. Il me soutient, voilà. Donc je fais mon match, j'en fais un ou deux après. Et puis là, il y a donc les avocats de l'ATP, tout ça, qui viennent me voir et qui me disent, bon, ben voilà, soit tu portes plainte et tu prends un avocat et tu fais donc valoir donc la justice, soit tu fais pas ça et tu laisses faire la justice du tennis mener donc une enquête, quoi. Ouais. Moi, je voulais, d'abord, un, j'avais absolument rien à me reprocher, et deux, je voulais pas, euh, euh,
je voulais pas que ça aille plus loin que ça, mais je voulais aussi être donc blanchi. Donc la Fédération internationale a fait donc une enquête et voilà, il a eu une suspension, une amende et il a dû faire ses excuses publiques et privées, quoi. Et ça t'a permis de digérer ou même avec ça, ça a été dur à encaisser? Non, ça a été dur encore ouais, quelques mois, quoi, parce que on en a plus parlé un mois ou deux après, mais même moi j'ai quand même été chahuté, quoi. Ça m'a quand même chahuté cette histoire, quoi. Donc je voulais pas avoir un nuage au-dessus de ma tête ou une zone d'ombre, quoi. Je voulais que tout ça soit blanchi et j'ai donc attendu 2 mois ou 3 mois que la fédération internationale rende son verdict et que je sois complètement blanchi, qu'il soit suspendu, pénalisé, etc., quoi. Mais après, ça m'a pas apporté donc préjudice. Voilà, moi ça fait de nombreuses années qu'on n'en a pas parlé et toi tu m'en reparles aujourd'hui. Bon, moi j'en parle en toute tranquillité, hein. Je m'en serais bien passé, mais bon, voilà, quoi. Lui donc à l'époque on l'appelait. Il avait son surnom, c'était Psycho, hein, sur le nom donc du circuit, hein, parce que voilà, il avait donc du talent, mais le gars était brillant. Je crois qu'il a fait Stanford, un truc comme ça, mais le mec était fou, quoi. Il était fou, quoi. C'est tout pour cet extrait. Si vous voulez nous aider à tout donner chaque semaine, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Vous devenez instantanément une légende dans notre cœur.